bonsoir à tous, ici Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de A Plague Tale Innocence. Donc dans la dernière vidéo, j'avais tué le premier boss, si on peut appeler ça comme ça, du jeu. Donc déjà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et là, on va continuer du coup la suite de l'histoire. Châtiment. Alors, traqués par des villageois en pleine chasse aux démons, Amicia et Hugo ont trouvé refuge dans le monastère du Bourg. Ils cherchent désormais des moines qui seraient où se trouve le médecin Laurentius, leur seul espoir depuis la mort de leurs parents. Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Pourquoi il y a des bougies? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux, mais attention à pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. C'est triste. L'ambiance est vraiment forte dans ce jeu. La narration est vraiment bonne. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Eh oh ! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Alors oui, dans la vidéo précédente, comme je dis, j'ai tué quelqu'un et c'était la première fois qu'elle devait tuer, donc du coup, elle doit se sentir coupable. Oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. De l'alcool dans un monastère. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire là? La caméra dans le jeu est un peu bizarre quand même. Les déplacements sont un petit peu lourds, je trouve. Y a pas une porte quelque part, quelque chose? Ah. Cassée, une échelle. C'est peut-être une sortie. Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands? Je ne pense pas, non. Il est pas un peu con, ce gosse? Il s'est fait poursuivre dans la ville et maintenant il dit qu'ils veulent construire des lits. C'est tombé. Alors... Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets, j'en avais dans mon herbier.
mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Il est mignon. Il est con, mais il est mignon. Alors, par où il faut qu'on aille? Par là, j'imagine. Non. Mon père? Encore vous? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où? Nous approchons. Je regarde un peu les peintures hein, en même temps, c'est très joli. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Morel, restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as? Mon père? Non. Oh putain. Oh non. La lumière. Mon père, non. Vite. D'accord. La lumière les maintient à l'écart. Ils ont peur de la lumière.
C'est pas possible! C'est un cauchemar! On doit retourner dehors, Amicia! Je sais! Avance! C'est un moine. L'autre frère. Ah ouais? On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît! Tu calmes. C'est bien un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après. On trouvera bien. Comment je fais? Oh la vache. Il y en a pas autant. Du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Ah ouais, donc c'est timé. Oh, c'est chaud. Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Alors c'est ça, l'Orfléo. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Putain, on est dans le noir, là. Amicia, les trois statues. La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Je fais comment pour faire du feu sans me faire voir, là? Ça va être chaud. Je crois qu'ils m'ont repéré en plus. Non. Je dois faire quoi là? Pierre. Ah, j'ai plus rien. Ah ouais, il faut courir là. Faudrait rester dans la lumière là. Je pense que s'ils me voient là. Ouais. Faut vraiment rester collé à ça là. Oh! Ah, je fais comment maintenant? Ah ouais. Je vois un truc là. Faut... Ouais, je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Ah d'accord. Passe. Je vais t'aider. D'accord. Ok. Bon, moi j'ai récupéré quelque chose. Ah mais merde, j'ai plus rien du tout, je fais comment? J'ai pas de cailloux, j'ai rien là. Ah, cailloux. Ça doit être ça. Ouais. Alors. Non, pas comme ça. Je dois pouvoir le faire tomber. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. Ah, c'est chaud. Ok. Ok. Oh là là. Le problème, c'est que si on monte, on est dans le noir là. D'accord. Ouais. Là, il fait bien sombre ici. Ah, c'est quoi ça? Des pierres. Salpêtre. Ah ouais. Bon, on va passer en même temps. Ah, t'es pas sérieux là, il va falloir qu'on redescende et qu'on marche. Ah non. Suis-moi. Oui. En plus, il faut l'attendre à chaque fois et tout, c'est chaud. Ouais. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Hugo, calme-toi. Ouais. C'est hardcore. Mais là, du coup, la manière dont ils sont arrivés, c'était limite un peu mystique, un peu.
Alors, qu'est-ce que c'est quoi ça? Peut contenir jusqu'à 12 matériaux de chaque type. Ouais, et là je dois faire quoi là? Bon bah. Ça va me simplifier la vie. Et le codex. Ah c'est pour. D'accord, ok. On s'en fout. Bon, moi je me suis juste amélioré quelque chose. Pas de rat. Ouais, pour l'instant. Oh la putain de ta mère. Je vois pas de torche. Comment on va faire? Comment on va faire? Ah oui. De la viande. Ça a l'air de les occuper. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Oh là là. Et on va où maintenant? Ah. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. En bas, les trois saints. Les trois saints. On s'approche de la sortie. Ah ouais, ok. Les trois saints. D'accord. Soyons prudents. Poulolo. Et je fais quoi maintenant? De l'alcool encore. Non. Là, j'essaye de voir. Qu'est-ce qui. Ah! La table. Si on va par là, on sera à l'abri. Ouais, genre, ils grimpent pas sur les tables, les rats. Il faut pas tomber. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ok. Sauf que... Ah, d'accord, jambon. J'avais pas vu. Ok, et un autre jambon ou pas, là, dans les environs? Je le vois pas, là. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah oui, merde. Attends, ça écrit quoi là? Appuie sur une de façon précise pour soulever. Olé. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Tu es, le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver, ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Ouais. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. Oh là là. C'est très bien. Ouais. Il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui. Il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Ouais, bah je fais vite. Ah ouais, je suis obligé de faire ça. Me dépêche. Ah, Amicia, Amicia, viens vite. Hugo, qu'est-ce qui se passe? Hugo, parle-moi. Aïe. Allez. Allez, calmez-vous, là, calmez-vous. Ah, mais je fais comment là? Putain, je peux pas passer là. Ah, j'avais pas fait attention. Ok. Hugo, ça va? Il y
la baie d'erreur. J'ai été vers la lumière. Ils t'ont mordu. J'ai trouvé une échelle. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Ouais. Et toi, Lucia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré. Il me faut des pierres. Ces brindilles brûlent trop vite. Ça pourrait pas aller repousser assez longtemps. Ouais, ouais, bah vite, vite. Parfait, merci. Il a fait quoi? Ah, faut que j'arrive, d'accord. Ah, c'est un peu du puzzle game limite. Faut bien réfléchir avant de... Ok, je vois où il est le... Allez, c'est parti. On se dépêche. On se dépêche. Je ramasse ça. C'est bon. Tu peux descendre. Désolé. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. On va où comme ça, là, maintenant? La sortie, elle est... Ah, elle est pas de l'autre côté, là? Dans l'autre petit passage, là-bas, là? C'est bien foutu, le coup du bois qui se consume et tout. C'est pas mal, hein. Ah, elle est là, la sortie. Regardez la branche, comment elle se consume. Bon, la flamme est pas super bien faite, mais que le bois se consume comme ça, c'est pas mal. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Voilà, est-ce que je peux faire autre chose? Non. C'est parti. Vas-y, grimpe. Oui. Ouais, ça pue. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Donc on est d'accord que ça c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans la forêt? Je sais pas. Comme dans le premier épisode que je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vu. Je me fais un peu de pub. Ah, c'est... Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors. Ah, c'est dégueulasse. Et... Ah, ouais, c'est ça que je cherchais en fait. Ah, on dirait un xénomorphe, hein, le machin. Allez, c'est parti. Que ça brûle la gorge. Ah, il faut courir là-bas. Allez. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Faut courir. Ah, le stress. On a réussi. On a réussi. Amicia. Je veux voir maman. Elle est morte. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Ah, c'est triste. On n'ira plus jamais à la...
Voilà, j'arrête ici, comme ça au moins je pourrais reprendre directement là dans la prochaine vidéo. Donc du coup c'était assez rempli en action, surtout du coup on sait toujours pas trop ce qui se passe, mais donc les rats, enfin c'est pas une peste basique en fait, puisque les rats réagissent vraiment d'une façon comme si c'était une entité, on va dire, une grosse horde qui agirait comme une seule et unique entité, donc c'est assez bizarre. Et puis ça a l'air d'être un peu mystique quand même, assez occulte, puisque ça a l'air d'être des rats pas normaux, quoi. Ça se voit direct. Déjà, ils ont des yeux en surbrillance, machin. Enfin, ça fait trop bizarre. Plus bah, leur nid, là, un peu à la xénomorphe, comme je dis. Donc, alien, on dirait un petit peu, là, avec la merde qu'il y avait sur les murs. Donc, à mon avis, ça doit être relié à lui, peut-être, au gamin, parce que c'est vrai qu'on sait ce qu'on avait vu. Donc, comme je disais dans la première vidéo, c'était en rapport, je crois, c'est en rapport avec le gamin, moi, je pense, hein, puisque l'Inquisition voulait absolument ce gosse. Donc, voilà, à faire à suivre. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez joué au jeu, donc sans spoiler, évidemment, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu, s'il vous a plu ou déplu, si dans l'intégralité le jeu vous a bien plu ou si justement il y a quelque chose qui vous a dérangé, quoi. Et puis aussi, si ma chaîne vous plaît et que ne vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!